L'affaire d'aujourd'hui a lieu au Royaume-Uni en 2015 et nous allons nous plonger dans la vie du couple Sealers. Je propose très peu d'affaires qui finissent bien et, eh bien, cette affaire fait partie de l'une d'entre elles. Mais restez bien jusqu'à la fin car il est important et intéressant de découvrir toute l'histoire, ce qui s'est passé, pourquoi, où sont et que sont devenus les protagonistes aujourd'hui, etc. Je vais d'abord commencer par parler du jour du drame, puis nous remonterons petit à petit au sein de leur vie, de leur couple, de leur histoire, de leurs secrets, etc. Mais pour commencer, parlons malgré tout rapidement de leur rencontre. Alors, Victoria travaillait comme kinésithérapeute pour le ministère de la Défense lorsqu'elle a rencontré Emile, alors un instructeur du Royal Army Physical Training Corps. Il s'était blessé en fait au ski et elle le soignait. Puis, ils se sont ensuite mariés en 2011 à Cape Town, en Afrique du Sud, là où Emile est originaire. Ils ont ensuite eu deux enfants, une fille du nom d'April qui a donc 3 ans au moment du drame, et le second, un nouveau-né de 5 semaines nommé Ben. Ils habitent à Amesbury, au Royaume-Uni, à 10 minutes en voiture de l'aérodrome où s'est produit le saut en parachute. Ce jour-là, c'est Emile, alors âgé de 38 ans, qui a organisé le saut en parachute de sa femme. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait du saut en parachute, car Victoria est instructrice à l'Army Parachute Association, la plus grande zone de parachutage du Royaume-Uni. Elle a 2650 sauts à son actif, c'est énorme. Donc elle est vraiment expérimentée, elle est formée, elle est habituée. Emile est aussi expérimenté et en fait ils sautaient souvent à deux ensemble. Ils adoraient tous les deux le sport et donc ils étaient, oui, tous les deux très expérimentés. Mais Victoria était en fait enceinte de son second enfant, donc ça faisait au moins un an qu'elle n'en avait pas fait. Donc, alors qu'elle avait accouché 5 semaines auparavant, eh bien c'est là que son mari lui a organisé ce saut en lui disant que ce serait une bonne chose de reprendre son activité préférée après son récent accouchement. Donc, le samedi 4 avril 2015, Emile a amené leurs deux enfants pour voir leur mère sauter en parachute. Et une fois sur le site, Emile a proposé à sa femme d'aller chercher le parachute, puis il a disparu dans les toilettes avec. Il a affirmé avoir pris le matériel avec lui dans les toilettes parce que leur fille de 3 ans avait besoin d'y aller et qu'il ne voulait pas laisser le matériel sans surveillance au risque de se le faire voler. Bon, c'est assez étrange car en principe, tout le monde laisse son kit à l'endroit où il y a tous les autres, même pour aller aux toilettes. Surtout qu'il est assez compliqué d'emmener son enfant de 3 ans dans une petite cabine de toilette avec en plus un parachute encombrant sur le dos. Bon, en tout cas, le saut en parachute a finalement été annulé ce jour-là car la météo était beaucoup trop mauvaise. Et retenez bien, après cette nouvelle, Emile n'a pas ramené et remis le parachute à sa place, non comme tout le monde. Au lieu de ça, il l'a gardé et il l'a caché dans le casier utilisé par sa femme car Victoria avait son propre casier. Il a prétendu en fait que c'était pour que Victoria gagne du temps le lendemain. Victoria, elle se sentait mal à l'aise à l'idée que son mari garde le matériel, tout simplement car il ne leur appartenait pas, mais elle ne voulait pas se chamailler avec lui pour quelque chose d'aussi insignifiant, donc elle a laissé. Même si c'est tout de même étrange, pourquoi ce kit en particulier devait-il être séparé des autres ? Le saut s'est alors déroulé le lendemain, le dimanche 5 avril 2015. Victoria est donc retournée à l'aérodrome, mais cette fois seule, sans son mari ni ses enfants. Sauf que le temps était encore un peu mauvais, donc elle a envoyé un SMS à son mari pour lui dire qu'elle hésitait à rentrer à la maison. Mais son mari l'a encouragée à rester jusqu'à ce que la météo s'améliore. Elle a finalement fait le saut dans l'après-midi. 11 autres personnes ont sauté en même temps que Victoria. Il est alors 16h et au vu de la météo, ils ont décidé de faire un saut à basse altitude où ils ouvriraient leur parachute quelques secondes après avoir sauté de l'avion à 4000 pieds, donc environ 1200 mètres, car la couverture nuageuse était beaucoup trop basse pour aller plus haut. Dans l'avion, Victoria était vraiment ravie de faire ce saut, ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas fait et elle retrouvait donc vraiment son excitation et son impatience. Elle a été la dernière des 12 à sauter de l'avion. Mais lorsqu'elle a sauté et qu'elle a dû ouvrir son parachute, eh bien il ne s'est pas
ouvert. Elle a alors expliqué ressentir une secousse, elle a ensuite levé les yeux et elle a vu que les lignes, les suspensions du parachute étaient nouées. Bon, elle a réussi à démêler les lignes et les cordes, mais même avec cette manœuvre, eh bien le parachute est resté fermé. Elle a alors commencé à tourner en spirale vers le sol. Bon, heureusement, elle a une longue expérience des vols, donc ça lui a permis de garder son sang-froid. Elle a ensuite actionné son parachute de réserve. Son parachute de réserve ne s'est ouvert que partiellement et il s'est ouvert que peu de temps avant l'impact. Elle a ensuite été entraînée au sol où elle a lourdement chuté. Le personnel du centre, lui, est au sol, impuissant. Ils ont tous regardé avec horreur la chute de Victoria. D'ailleurs, ils étaient si certains de la retrouver morte qu'ils ont apporté un sac mortuaire avec eux. Mais heureusement, Victoria a bien été retrouvée vivante. Même si elle avait des blessures à une jambe, une fracture à la colonne vertébrale, des fractures aux côtes, à une clavicule et au bassin. Et son poumon droit s'était aussi effondré. Et normalement et logiquement, eh bien, sa chute aurait dû être mortelle. Mais si elle a réussi à survivre, eh bien, c'est parce que son parachute de secours s'est ouvert partiellement peu avant l'impact. Sa chance est aussi d'avoir une carrure plutôt menue et d'être tombée aussi dans un champ qui venait d'être labouré, donc un champ qui était plutôt mou. Victoria a alors été emmenée sur une civière et par hélicoptère à l'hôpital le plus proche. Elle y a passé plusieurs semaines. Suite à sa chute, son parachute a alors été examiné par l'instructeur en chef du centre de parachutisme Marc Bedeya. Et il a remarqué en effet que toutes les lignes d'un côté du parachute étaient nouées entre elles et que les deux extrémités des élévateurs du parachute de secours n'étaient pas attachées. Alors que son parachute avait été vérifié pour la dernière fois 2 mois avant l'accident. Et il n'y avait pas de problème de ligne de suspension. En sachant aussi qu'elle ne l'avait pas utilisé entre cette période de vérification et le jour du drame, car il s'agissait là de son premier saut depuis longtemps. Pour le centre de parachutisme, moralement, ce fut un moment très difficile. Ils avaient vraiment frôlé le drame et ça voulait aussi dire qu'il y avait un problème alors avec les équipements qu'ils proposaient. Professionnellement, c'était plutôt terrifiant pour les prochaines personnes souhaitant faire du saut en parachute chez eux. Mais pour Marc Bedeya, il y avait probablement autre chose. Il cogitait, il hésitait à contacter la police, il voulait comprendre. Car il est déjà inhabituel qu'un parachute principal ne fonctionne pas, et c'est encore du jamais vu lorsque le parachute de réserve ne fonctionne pas non plus. Aucun équipement, n'importe où dans le monde, ne s'était jamais comporté de cette manière. Pour vous donner quelques statistiques, quelques accidents de parachutisme se produisent, c'est vrai, mais c'est plutôt rare. Par exemple, en Grande-Bretagne, de 2005 à 2015, il y a eu 2,3 millions de sauts, et parmi eux, il y a eu 2900 cas où le parachute de réserve a dû être actionné. Mais pas un seul drame mortel a eu lieu. Et selon la BPA, le seul cas connu d'échec des parachutes, donc principal et de réserve, a été le cas de Steven Hilder. Steven Hilder, un élève officier de 20 ans, est mort à 13 000 pieds, donc environ 4 000 mètres, le 4 juillet 2003 à Ibaltstow dans le Lincolnshire. Quelqu'un avait coupé les élévateurs de sa réserve. La police a alors d'abord lancé une enquête pour meurtre avant de conclure 10 mois plus tard que sa mort était probablement due finalement à un suicide. Car aucun ADN autre que le sien n'a été retrouvé sur son kit et les ciseaux ayant servi à couper les cordes des élévateurs ont été trouvés dans le coffre de sa voiture. Mais de nombreux membres de la communauté du parachutisme ont longtemps rejeté l'idée que Steven Hilder avait eu l'intention de se suicider, mais qu'il avait bien été assassiné. Car Steven a tout fait pour essayer de se sauver la vie, c'est-à-dire qu'il a tenté d'ouvrir son parachute ainsi que celui de réserve, mais les deux sont restés fermés. Donc s'il avait essayé de se tuer, pourquoi essayer de sauver sa vie ? En tout cas, après l'accident de Victoria, le centre a décidé finalement d'avertir la police. Il voulait comprendre ce qui venait de se passer. Et le centre aurait pu ne rien faire et pouvait s'excuser et tasser la chose, mais c'était beaucoup trop irréel.
même si rien ne ressemblait à une tentative criminelle, car ils ont examiné le parachute une seconde fois et aucun défaut mécanique n'a été retrouvé. Les lignes étaient certes nouées, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agissait d'un acte criminel. En tout cas, une fois la police contactée, un des agents est parti retrouver Victoria à l'hôpital pour lui poser quelques questions. Rentrons maintenant dans la vie du couple Sellers. Pour leur entourage, ils étaient perçus comme un couple tout à fait ordinaire. Ils avaient tous les deux un emploi, deux enfants et une belle maison. Donc, de l'extérieur, tout avait l'air d'aller pour le mieux. Mais la police a ensuite reçu un appel téléphonique d'un des amis de Victoria, qui leur a dit l'opposé de l'image que renvoyait ce couple d'apparence banale. Selon cet ami, quelque chose n'allait pas dans le couple. Selon ses dires, la relation entre Victoria et Emile était assez toxique. Cette amie a déclaré que Victoria était enfermée dans une relation difficile, désagréable avec Emile et qu'il y avait des problèmes de violence domestique au sein du couple. Cette amie ne faisait pas référence à des violences physiques, mais bien à des choses plus invisibles. Donc, c'est-à-dire à de l'abus, de la manipulation, de la sournoiserie, de la violence par les mots, du rabaissement, etc. Un jour, Emile l'a traitée comme une princesse, puis tout de suite après, il l'a rabaissée. Puis il l'a considérée ensuite comme une princesse à nouveau. Donc, c'est assez difficile psychologiquement, mais pour Victoria, c'était tout simplement devenu une habitude, une normalité. Et dans les articles que j'ai lus, Emile a été décrit comme un psychopathe, un sociopathe, un narcissique, un insensible, un égoïste qui ne pense qu'à lui, un homme froid, une personne qui n'aime pas qu'on lui dise non et une personne qui ne recule devant rien pour satisfaire ses propres désirs. Ça fait une liste assez longue quand même. Victoria était plus ou moins au courant du comportement de son mari. Elle avait déjà remarqué des choses étranges, des mensonges. Mais elle aimait, c'était le père de ses enfants, et donc elle fermait les yeux sur certaines choses. En tout cas, elle les niait plutôt, elle était dans le déni. Par exemple, le premier mensonge d'Emile s'est produit quand il lui a caché qu'il avait deux autres enfants. Victoria, elle, était au courant qu'il avait eu deux enfants avec son ex-femme Carly. Par contre, un jour, elle a découvert qu'il lui avait caché deux autres enfants d'une première femme alors qu'il était encore dans son pays natal en Afrique du Sud. Donc en tout, Emile a six enfants. Leur mariage reposait aussi sur bien d'autres mensonges. Et le couple avait aussi des problèmes d'argent. En réalité, c'était Emile qui avait des problèmes d'argent. Et un jour, Victoria l'a confronté sur un manque de 6000 livres sur leur compte en banque. Donc à peu près 7000 euros. Et Emile a inventé une excuse en disant qu'ils avaient dû être piratés. Sauf que la banque aurait apparemment enquêté et aurait retracé l'adresse IP utilisée dans la transaction. Et l'adresse IP correspondait à l'ordinateur personnel de la famille Sellers. Et à chaque fois, Emile n'hésitait pas à la manipuler et à retourner la situation en sa faveur. Il lui répétait qu'elle n'avait pas assez confiance en lui et il avait toujours une excuse pour tout expliquer. Voici un autre mensonge. Un jour, Victoria, qui était sur l'ordinateur familial, a découvert dans la boîte mail de son mari des mails provenant d'un sex club. Emile lui a alors expliqué qu'il allait dans ce sex club à l'époque où il était encore avec son ex-femme et qu'il devait alors toujours et simplement figurer sur la base de données de ce club. Victoria savait bien qu'il mentait, mais à nouveau il la faisait passer pour une personne qui n'avait pas confiance en lui, pour une personne qui était paranoïaque, qui se faisait des films. Et Victoria, ayant aussi été trompée dans le passé, Emile forcément n'a pas hésité à appuyer sur cet événement en disant donc qu'elle n'avait pas confiance, car elle avait déjà été trompée et donc qu'elle se faisait encore des films. Victoria avait en effet été mariée une première fois et avait divorcé en 2010 et donc il semble alors que son premier mari ait été infidèle. Et Emile était tellement convaincant qu'il arrivait parfaitement à retourner la situation et finalement ça embrouillait Victoria. Puis un autre événement, par exemple, un jour lors d'une fête, un invité a fait remarquer à Victoria que son mari avait l'application Tinder sur son téléphone. À ce moment-là, Victoria était enceinte de son second enfant, Ben. Donc cet événement a eu lieu à peine un an avant le saut en parachute. Et à nouveau, Emile a fourni une bonne excuse. Selon lui, c'était ses amis qui avaient installé cette application de rencontre sur son téléphone pour lui faire une blague.
Finalement, Victoria se doutait bien que son mari la trompait, mais elle était enceinte, elle allait bientôt accoucher de son second enfant. Donc, elle a décidé de laisser passer le temps et elle a voulu donner une seconde chance à son couple. Puis, au cours de l'enquête, il a été confirmé qu'il n'y ait pas eu d'acte criminel commis sur le parachute de Victoria. Il n'y avait pas d'empreinte digitale, il n'y avait pas d'ADN, pas de preuve quelconque pour conclure à un acte criminel. Même s'il manque une partie du parachute, qu'il y avait des nœuds, etc., ce n'est pas forcément parce que le parachute a été trafiqué, mais peut-être suite à une négligence. Mais bon, si vous écoutez cette histoire, c'est que nous savons qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence. Pour en revenir au couple Sellers, et donc malgré les allégations de relations toxiques, de tromperies, eh bien, bah, ça ne suffit pas pour accuser un homme de tentative de meurtre. Alors les enquêteurs ont décidé de creuser davantage dans la vie des Sellers. Il fallait trouver d'autres éléments, des éléments déterminants contre Emile. Quelle aurait été sa motivation pour tuer sa femme? Pour quelle raison ferait-il une chose si abominable? Donc c'est le 28 avril 2015 que la police est allée arrêter Emile dans sa caserne d'Aldershot où il travaillait comme instructeur d'entraînement physique. Il a été arrêté pour suspicion de tentative de meurtre et il n'a fait aucune objection, il n'a pas du tout réagi. Il a été mis en garde à vue puis il a été interrogé pendant 6 heures. Durant cet interrogatoire, il a révélé qu'il avait une liaison avec une femme du nom de Stéphanie Goller, une instructrice de parachutisme autrichienne qu'il avait rencontrée sur l'application Tinder lors d'un voyage de ski militaire à l'étranger. Emile a aussi admis qu'il était endetté auprès de sociétés de prêts sur salaire. Il a aussi déclaré de lui-même qu'il avait disparu aux toilettes pendant un moment le samedi du saut en parachute de sa femme. Donc là, la police l'a trouvé très sûr de lui, même beaucoup trop. Il a révélé de lui-même tous les points sur lesquels il savait que la police allait enquêter. Ses soucis d'argent, ses tromperies et pourquoi il était allé aux toilettes avec le parachute. Il a donné une explication à tout. Il pensait probablement que la police allait se contenter de ça. Et lors de l'entretien, il a aussi été particulièrement bavard sur ses exploits sexuels. Il a déclaré avoir une libido assez élevée alors que sa femme Victoria avait une libido plutôt faible, selon ses dires. Il a dit aux enquêteurs qu'il avait du mal à avoir des relations sexuelles plus de 2 fois par semaine. Et les enquêteurs ont déclaré qu'ils n'avaient montré aucune émotion quand ils avaient évoqué l'accident de sa femme. Il avait l'air bien plus préoccupé par sa maîtresse. Il semblait attristé car apparemment il craignait qu'ils ne se séparent. Puis à la fin de l'interrogatoire, un des enquêteurs lui a demandé s'il avait quelque chose à ajouter. Et à ce moment-là, sa femme était encore à l'hôpital. Donc les enquêteurs ont pensé naturellement qu'il allait quand même dire un mot sur sa femme, sur son inquiétude. Il aurait pu dire qu'il l'aimait, il aurait pu aussi clamer son innocence. Mais au lieu de ça, la dernière chose qu'il a dit était que la pire chose qui lui était arrivée dans sa journée, c'était d'avoir été arrêté devant ses subordonnés. Alors pour les enquêteurs, plus ils parlaient avec Emile, plus ce genre de réponse avait du sens. Ça confirmait tout simplement le fait que cet homme était un narcissique, qu'il se sentait supérieur aux autres et qu'il avait une absence totale de remords et d'empathie. Ils ont alors gardé Emile en garde à vue, le temps de recueillir davantage d'éléments. Et par la même occasion, eh bien, ils ont décidé aussi de prendre conseil auprès de la National Crime Agency sur la meilleure tactique à appliquer pour l'empêcher de faire dérailler de futurs entretiens. En fait, la police ne pensait pas que cet entretien allait se terminer ainsi. Car Emile avait une réponse à tout. Il savait comment répondre, il savait comment contourner correctement les questions, il n'était pas du tout déstabilisé, c'était limite lui qui dirigeait l'entretien. Pendant ce temps, des enquêteurs se sont rendus chez Victoria pour l'informer que son mari était leur principal suspect. À ce moment-là, elle avait quitté l'hôpital, donc elle était seule chez elle à son domicile avec ses 2 enfants et avec une attelle. Et cette nouvelle l'a complètement bouleversée. Elle ne se doutait de rien, elle voulait juste que son mari rentre à la maison. Dans le même temps, le téléphone d'Emile a été confisqué et étudié. Il a fallu 9 mois pour le fouiller dans sa totalité. Et son téléphone était une vraie mine d'or. En fait, les enquêteurs ont découvert que ça faisait à peine 6 mois qu'il avait rencontré Stéphanie Goller, sa maîtresse. Ensemble, ils ont échangé plus de 32 000 messages. Et dans ces messages, Emile précise qu'il est marié et que sa femme est enceinte. Mais il lui dit aussi qu'ils sont séparés car ce bébé n'est pas le sien mais celui d'un autre homme. Il a donc fait passer sa femme pour une femme infidèle.
Et d'ailleurs, après la naissance de Ben, Emile a prétendu avoir subi un test ADN prouvant qu'il n'était pas le père de son fils. Bon, bien sûr, c'était faux. Dans un autre message envoyé à Stéphanie, Emile dit aussi qu'il ferait n'importe quoi pour être avec elle et qu'il sacrifierait et abandonnerait beaucoup pour être avec elle. C'est quand même plutôt explicite comme message. Dans d'autres messages, il disait aussi qu'il voulait l'épouser. Il lui a promis énormément de choses, il parlait de vacances. Emile aurait aussi recherché une maison pour qu'ils emménagent ensemble. Et alors que Victoria était enceinte alors de leur fils Ben, eh bien un jour, Emile lui a dit qu'il devait partir en voyage d'affaires, alors qu'en réalité, bien évidemment, il était parti en vacances de ski avec Stéphanie. Et Victoria a déclaré plus tard que cette période avait été très difficile pour elle, car elle avait des idées noires, son mari était absent, il prétendait être en voyage d'affaires alors qu'il était avec sa maîtresse, alors que Victoria, elle, était seule, à la maison, enceinte et avec sa fille de 3 ans. Et Emile, lui, il était vraiment insensible, car pendant que lui, il était en vacances, avec sa maîtresse, à prendre du bon temps, eh bien Victoria, elle lui envoyait des SMS en disant qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer, en disant qu'elle en avait assez de la vie, et en fait, elle espérait avoir une réaction tout simplement de la part de son mari, mais elle n'en a reçu aucune. Mais Victoria était quand même assez vulnérable car elle soupçonnait son mari d'être infidèle, mais à côté de ça, elle lui envoyait des messages qui disaient qu'elle l'aimait, qu'il lui manquait, qu'elle avait l'impression d'avoir échoué en tant qu'épouse. Et Emile a toujours exploité cette vulnérabilité en disant donc qu'elle se faisait des films, qu'elle était trop émotive, il avait toujours un double discours en fait. Parfois il l'aimait, il la traitait bien disons, et d'autres fois il disait qu'il avait besoin de temps pour réfléchir et savoir s'il voulait rester marié avec. Et Victoria, elle s'accrochait à ça malgré elle. Et Stéphanie Goller n'était pas la seule femme avec qui Emile sortait. En fait, les enquêteurs ont découvert qu'il couchait aussi avec son ex-femme, Carly Sellers, la mère de 2 de ses 6 enfants. Carly vivait à moins de 2 km de son ex-mari et de Victoria. Et les deux se voyaient alors souvent, et surtout concernant la garde des enfants, mais entre deux n'hésitaient pas à s'adonner à des activités sexuelles. La police a ensuite découvert sur son ordinateur qu'il était également membre de Fab Swingers, un site pour échangistes. Sur son ordinateur, Emile recherchait aussi régulièrement des travailleuses du sexe sur Adult Work. Et les policiers ont aussi découvert qu'il avait fait d'autres recherches sur des clubs de sexe, sur du fétichisme aussi. Et d'ailleurs, alors que Victoria était à l'hôpital en soins intensifs, eh bien lui était sur des sites internet à la recherche d'une prostituée. Et aussi, alors qu'il était encore une fois à son chevet, eh bien il envoyait aussi des SMS à sa maîtresse Stéphanie. Par exemple, dans l'un de ses messages, eh bien, il lui disait qu'il ne pouvait pas imaginer qu'une chose pareille puisse lui arriver à elle. Il lui disait aussi qu'il pensait beaucoup à elle. Toujours lorsqu'il allait la voir à l'hôpital, au lieu de la soutenir, de lui dire qu'il l'aimait ou autre, eh bien, un jour, il est arrivé et il a rempli des formulaires d'assurance concernant ses blessures, formulaires qu'il a ensuite fait signer au médecin. Avec ça, en fait, avec la gravité des blessures, eh bien, il pouvait récupérer pas mal d'argent. Un autre jour, il a également envoyé un SMS à une escort girl lui demandant si elle était disponible pour une heure en échange de 100 livres. Il demandait également s'il pouvait filmer leurs ébats. Et les enquêteurs ont quand même souligné le fait qu'il était plutôt habile, car il savait ce qu'il faisait, il ne se trompait jamais. C'est-à-dire que parfois, il envoyait des messages à 3 femmes différentes et il n'a jamais fait aucune erreur. Il n'a jamais envoyé un message à la mauvaise personne et il a fait ça pendant des années. Puis plus tard, un patron d'un club échangiste a été interrogé. Et il a déclaré qu'Emile était effectivement venu à quelques reprises, mais qu'il avait été expulsé du club parce qu'il avait enfreint les règles. Il avait poussé une femme et l'avait fait pleurer. Donc en gros, pour résumer ici, Emile a une femme, Victoria, il a aussi une maîtresse, Stéphanie, il couche aussi avec son ex-femme, Carly, et dans le même temps, il rencontre des prostituées et il va dans des clubs échangistes, des sex-clubs, etc.
Concernant les problèmes d'argent d'Emile que nous n'avons évoqué que très brièvement, la police a découvert qu'Emile était endetté à hauteur de 22 000 livres, donc environ 25 000 euros, même s'il soupçonne que le total réel est bien plus élevé. Emile devait de l'argent à des sociétés de prêts sur salaire, à d'anciens collègues de travail, mais aussi à sa femme. Au cours de leur relation de 7 ans avec Victoria, eh bien, elle lui avait prêté plus de 19 000 livres, donc environ 22 000 euros, qu'il était censé rembourser avec un ordre de virement régulier, mais il ne le faisait pour autant pas régulièrement. Puis un jour, Emile a envoyé un message à sa femme en lui disant qu'il pensait qu'elle serait mieux sans lui et qu'il était dans une mauvaise passe financière. Et tout ça, c'est de la manipulation. Pourquoi ? Eh bien, Victoria a répondu, elle, qu'elle l'avait épousé pour le meilleur et pour le pire, puis elle lui a transféré 5500 livres, soit plus de 6000 euros, sur son compte bancaire afin qu'il puisse rembourser un prêt. Mais sans savoir que quand elle lui donnait de l'argent, eh bien parfois, elle lui payait en réalité les grands restaurants et les grands voyages qu'il faisait en compagnie de sa maîtresse Stéphanie. Un jour, un huissier d'une société de prêt sur salaire est carrément venu frapper à leur porte. Et encore une fois, à ce moment-là, eh bien Victoria était seule à la maison et enceinte de Ben. Emile avait aussi pris soin d'investir dans l'assurance vie de Victoria. Il avait ajouté à sa propre police militaire et s'était assuré qu'elle avait la couverture maximale. Mais Victoria, qui était consciente des problèmes d'argent de son mari, eh bien l'avait radié de son testament fin 2014, laissant tout à leurs deux enfants. Suite à toutes ces découvertes, les enquêteurs sont allés rendre visite à nouveau à Victoria chez elle. Ils lui ont alors révélé que son mari avait une liaison, qu'il avait l'intention de la quitter pour sa maîtresse et qu'il avait nié que leur fils était le sien. Les enquêteurs pensaient alors et espéraient surtout qu'elle allait enfin ouvrir les yeux sur son mari et comprendre que quelque chose n'allait véritablement pas. Et effectivement, elle a commencé à concevoir que son mari n'était pas celui qu'elle pensait être. Puis, c'est là qu'elle leur a parlé de l'histoire de la fuite de gaz. Mais quelle est cette histoire ? Eh bien, 6 jours avant le saut en parachute, dans la nuit, Victoria a senti une odeur de gaz dans sa cuisine. Emile n'était pas à la maison ce soir-là, il avait voulu passer la nuit sur son lieu de travail et avait donc laissé sa famille dormir à leur domicile sans lui. Comme excuse pour dormir ailleurs, il s'est plaint à sa femme des 45 minutes de trajet quotidien jusqu'à son lieu de travail. Et le fait aussi qu'il voulait éviter la circulation matinale. En réalité, il avait passé la soirée avec son ex-femme, avait aussi passé la nuit à envoyer des SMS à Stéphanie, puis avait également contacté des prostituées. Victoria, elle, a donc senti l'odeur de gaz, elle est alors vérifiée le robinet dans le placard de la cuisine juste à côté du four. Et elle a vu du sang sur le robinet et en voyant du sang, eh bien, elle a envoyé un message à son mari lui demandant s'il l'avait touché. Elle a ensuite demandé s'il essayait de la tuer. Bon, elle a dit ça en plaisantant, même si peut-être inconsciemment elle devait avoir des doutes. Emile a ensuite réprimandé pour avoir suggéré, pour avoir dit ça. Et donc, suite à la déclaration de Victoria, eh bien, un examen a été pratiqué sur la valve, sur le robinet de gaz, et il a bien été confirmé que le sang était bien celui de son mari, Emile. Et l'examen a aussi prouvé que la valve avait été desserrée avec une pince. Alors, Victoria a donc fait cette déclaration, certes, mais pour autant, elle avait encore toujours du mal à croire qu'il était le responsable. D'ailleurs, vous le verrez aussi lors du procès. En tout cas, la fuite de gaz et le sang retrouvé sur la valve, eh bien, étaient les seules preuves médico-légales dont disposait la police et qui prouvaient qu'Emile Sayers avait bien tenté de tuer sa femme. Il y avait donc là un dossier assez solide pour le présenter enfin face à un tribunal. Mais avant de passer au procès, nous allons regarder rapidement ensemble le témoignage de sa toute première femme qui a été recueillie par la suite. Il s'agit de Nicoline Shepherd. Nicoline a raconté qu'Emile avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'il voulait et qu'il était toujours à la poursuite de son prochain gros lot, que ce soit un objet ou une femme. Donc ça, c'est bien ses mots. Qu'il y avait toujours beaucoup de filles qu'il aimait, qu'il savait mentir, qu'il savait charmer. Nicoline et Emile s'étaient rencontrés en Afrique du Sud. Ils étaient sortis ensemble quand elle avait 13 ans et lui 17 ans. C'était son premier amour. Ils étaient restés ensemble 7 ans et ont eu ensemble un garçon et une fille.
Mais Emile, en 2000, a déménagé au Royaume-Uni. Il a donc laissé derrière lui sa femme, sa fille et le futur bébé. Emile avait alors promis à Nicoline qu'il reviendrait et qu'ils resteraient ensemble. Mais à la place, il a rencontré et épousé Carly. Et le pire, c'est qu'il a laissé à sa mère le soin d'annoncer à sa compagne, encore Nicoline, qu'il ne reviendrait pas et qu'il avait épousé une autre femme. Emile n'a ensuite jamais fait aucune tentative pour communiquer avec elle ou leur enfant. D'ailleurs, un jour, Nicoline avait du mal à acheter des couches pour leur bébé. Elle a alors demandé de l'aide à Emile, mais il lui a répondu qu'il n'avait pas d'argent. Alors que le jour même, Nicoline a découvert qu'il s'était acheté une paire de chaussures de golf hors de prix. Nicoline a ensuite déménagé elle aussi au Royaume-Uni en 2004 et au départ elle n'avait aucune intention de reprendre contact avec Emile, mais elle l'a fait tout de même 2 ans plus tard, donc en 2006, lorsque sa fille, alors âgée de 6 ans, a commencé à poser quelques questions sur son père. À ce moment-là, Emile et Carly étaient toujours ensemble et ils avaient eu 2 enfants. Et quand Nicoline et Emile ont commencé à se reparler pour leur fille, eh bien Emile a dit et a avoué avoir épousé Carly car la durée de son visa était arrivée à terme. Mais il lui a aussi assuré qu'ils allaient divorcer. Donc il a dit à Nicoline que la seule raison pour laquelle il a épousé Carly, c'était pour le visa. Et là, il venait de lui assurer que Carly et lui allaient divorcer. Donc finalement, Nicoline et Emile ont commencé, suite à ça, à se reparler, à se remémorer certains souvenirs et puis à ressortir ensemble. Mais en fait, en réalité, Emile n'était pas du tout en train de divorcer de Carly et Nicoline l'a heureusement rapidement découvert. En fait, un jour, alors qu'il était au travail et qu'il avait laissé son téléphone chez lui, Carly l'a appelé. Mais c'est Nicoline qui a décroché le téléphone. Du coup, elles se sont mises à discuter toutes les deux et elles ont réalisé qu'Emile leur mentait. Elles se sont alors réunies et ont affronté Emile toutes les deux. Nicoline et Emile ont ensuite rompu, mais lui n'arrêtait pas de lui envoyer pour autant des SMS, il a harcelé pour qu'elle le revoie. Mais heureusement, elle n'a pas cédé, elle n'est pas retournée avec lui et ensuite elle a rencontré un autre homme, elle s'est mariée avec lui et elle a eu 3 autres enfants et elle a aussi changé de numéro de téléphone. Mais changer de numéro de téléphone, eh bien, ça n'a pas empêché Emile de la retrouver sur Facebook. Et elle savait qu'Emile n'aimait pas qu'on lui dise non ou qu'on lui tienne tête. Il ne s'arrêtait jamais, il ne s'avouait jamais vaincu. Heureusement, elle a refait sa vie avec un autre homme et loin d'Emile. Nicoline raconte ensuite qu'elle se souvient, alors qu'elle était toute jeune et qu'elle venait d'accoucher de son premier enfant par césarienne, eh bien Emile avait insisté pour reprendre des relations sexuelles 10 jours après l'intervention. Et quand elle y repense, eh bien ça lui retourne tout simplement l'estomac car c'était lui qui voulait. En tout cas, elle a tout de même été horrifiée de découvrir que son premier amour était capable de tuer. Elle était horrifiée, mais pas surprise pour autant. Parlons maintenant du procès. Eh bien, son procès a eu lieu 2 ans plus tard, en 2017, mais il y a eu en fait 2 procès. Le premier a été interrompu car les membres du jury n'arrivaient pas à se mettre d'accord, d'une part. Et d'une autre part, parce que 2 membres du jury ont été déchargés de leurs responsabilités car ils avaient apparemment développé une maladie liée au stress. Du coup, il y a dû avoir un second procès avec un tout nouveau jury. Le second procès a eu lieu en 2018 devant le tribunal de la couronne de Winchester. Lors du procès, Victoria s'est montrée moins coopérative, comme je vous le disais. Elle voulait en fait mettre les événements d'avril 2015 derrière elle. Alors, au moment de son témoignage, elle ne coopérait plus. Par exemple, elle a déclaré au tribunal qu'elle avait exagéré dans ses premières déclarations à la police, car dans sa première déclaration, elle a dit qu'Emile était resté dans les toilettes avec le parachute au moins 10 bonnes minutes. Alors que là, au procès, elle a déclaré qu'il n'était resté aux toilettes que 5 minutes. Elle a déclaré en fait avoir augmenté le temps car elle voulait le faire souffrir. Concernant maintenant Emile, aucun ami ni membre de la famille n'est venu le soutenir. Ses collègues de travail n'ont fait aussi aucun commentaire, aucune déclaration, à part pour spécifier qu'il a été démis de ses fonctions militaires et aussi pour dire qu'ils avaient bien vu Emile en présence de Stéphanie, mais qu'ils pensaient alors qu'à ce moment-là, Emile n'était plus avec Victoria. Emile, lors du procès, a aussi maintenu son innocence, il a tout nié, il n'a aussi montré aucun remords, il avait toujours en fait son attitude très confiante. Ses tromperies ont aussi été évoquées
et il a déclaré qu'il avait besoin de sexe et de compagnie féminine. Et concernant le saut en parachute, eh bien, il a déclaré tout simplement que sa femme aurait peut-être tenté de se suicider. Pour autant, l'accusation a dit qu'il avait tenté de tuer sa femme par deux fois en moins d'une semaine. Une première fois en ouvrant la valve, de façon à déclencher donc une fuite de gaz, mais comme son plan avait échoué, eh bien il avait tenté une seconde fois, donc lors du fameux saut en parachute. Et la seconde fois, eh bien il avait élaboré un stratagème plus minutieux, avec lequel il était certain, normalement, qu'elle ne survivrait pas. Pour cela, il a donc pris le parachute de sa femme. Il se serait alors caché dans les toilettes, puis l'aurait saboté en nouant la voilure principale du parachute et en retirant des parties vitales de la réserve. Donc les liens souples ou les slings, comme on appelle je crois, qui relient la sellette au parachute. D'ailleurs, lors du procès, il a bien été montré comment le parachute avait pu être trafiqué dans les toilettes. Et concernant sa première tentative de meurtre, eh bien lorsqu'il a ouvert la valve et qu'il est donc allé dormir ailleurs, eh bien il a été souligné que si sa tentative avait réussi, eh bien il aurait tué par la même occasion sa jeune fille de 3 ans et son bébé. Il a donc mis ses propres enfants en danger. Pour terminer avec le procès maintenant, quel est donc le motif ? Eh bien, comme d'autres affaires d'hommes trompant leurs femmes, exemple l'affaire Chris Watts ou l'affaire Chris Coleman, eh bien c'est pour s'enfuir avec sa maîtresse. Et aussi, par la même occasion, comme il était criblé de dettes et aussi pour pouvoir commencer une nouvelle vie avec Stéphanie, eh bien il avait besoin d'argent. Et donc, avec la mort de sa femme, il empocherait 120 000 livres, donc environ 133 000 euros d'indemnité d'assurance vie en cas de décès accidentel de sa femme. À la fin du procès, en juin 2018, Emile Sayers a été reconnu coupable de deux chefs de tentative de meurtre. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa femme et pour avoir mis en danger leur enfant. Et Victoria, avant que le verdict ne soit prononcé, eh bien elle aurait fait une déclaration devant le tribunal, mais elle a demandé que celle-ci ne soit pas lue et partagée publiquement. Donc on ne connaît pas les détails de sa déclaration. Pour autant, on pense quand même fortement qu'elle a demandé une peine plus clémente pour son ex-mari. Mais bon, le juge n'a pas pris en considération sa déclaration vu la peine appliquée à Emile. En même temps, le juge a remarqué et déclaré au tribunal que si Victoria avait l'air de s'être remise physiquement de sa chute, ce n'était pas le cas psychologiquement. Un rapport a ensuite évalué Emile Sayers comme présentant un risque élevé pour ses partenaires. Ensuite, une femme du nom de Fildia Wilson, une conférencière en psychopathie qui a suivi l'affaire, a déclaré qu'Emile Sayers présentait tous les signes d'un psychopathe. Elle a dit que si ni la tentative de meurtre par le gaz, ni la tentative de meurtre par parachute n'avaient fonctionné, eh bien il aurait recommencé plusieurs fois s'il le fallait jusqu'à ce qu'il réussisse à tuer sa femme. Puis dans les jours qui ont suivi la condamnation d'Emile, eh bien Victoria a accordé des interviews pour dire qu'elle n'acceptait pas le verdict. Elle a également dit que oui, il avait été infidèle, que oui, il avait des problèmes d'argent, que oui, elle était blessée et en colère, mais que non, elle ne le percevait pas comme quelqu'un capable de tuer. Après ça, elle n'a plus rien dit depuis. C'était sa dernière déclaration. Et elle lui a rendu visite en prison 6 à 8 semaines après sa condamnation. C'en est maintenant terminé pour cette affaire, donc par chance, elle finit bien, c'est plutôt rare, la victime a survécu et le coupable est en prison, donc c'est très bien. Même si on peut voir que la victime ne voulait pas vraiment de la justice, elle a survécu, donc c'est une grande chance de base pour faire avancer l'enquête policière, sauf que finalement, eh bien ça s'est révélé un peu plus difficile, étant donné qu'elle ne voulait pas croire les preuves qui s'accumulaient contre lui. Elle a d'ailleurs aussi fait cette fameuse déclaration au juge demandant sa clémence. Bon, malgré tout, elle a raconté l'histoire de la fuite de gaz, c'est ça aussi qui a tout déclenché, donc heureusement qu'elle a raconté cette histoire. Et après, elle est aussi sous l'emprise, c'est l'emprise et le déni qui parle. Elle a quand même longtemps nié qu'il avait réellement tenté de la tuer. Et heureusement aussi, et merci à lui, à Monsieur Beyada, le directeur du centre qui a contacté la police. Ça a été aussi sa décision d'appeler la police à un moment où tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un accident qui a tout déclenché. C'est lui qui a pu soulever les doutes et lancer l'enquête.
aujourd'hui, où sont Victoria et Émile ? Eh bien, en 2022, Victoria est âgée de 46 ans, elle est physiothérapeute dans l'armée et elle élève seule ses deux enfants. Elle souffre toujours physiquement du saut de parachute qui lui a failli être mortel. Elle ne peut pas faire tous les efforts qu'elle veut. Par exemple, elle ne peut pas porter ses enfants sur le dos. Victoria a aussi déclaré être en colère contre Stéphanie, forcément, mais surtout contre Carly, qui était donc l'ex-femme de son mari et qui habitait vraiment non loin de chez eux. Et Carly et Victoria avaient aussi fini par nouer des relations amicales, car elles se voyaient souvent pour les enfants, donc c'est difficile. D'ailleurs, concernant les enfants, eh bien la plus grande, qui était alors âgée de 3 ans à l'époque, eh bien elle connaît les détails de l'histoire. Ils lui ont dit que son papa avait essayé de faire du mal à sa maman, qu'il avait fait une très mauvaise chose et qu'aujourd'hui il était en prison. Concernant le plus jeune, qui avait seulement 5 semaines, eh bien évidemment il n'a aucun souvenir de son père. Les deux enfants ne posent aucune question sur leur père, mais malgré tout, il a été dit qu'ils veulent rester en contact avec lui. En 2020, Victoria a déclaré continuer à pleurer sur sa relation avec Émile, à pleurer leur mariage. Elle a déclaré qu'elle aimait toujours le mari qu'elle avait eu et qu'il lui était toujours difficile d'accepter qu'il ait pu vouloir la tuer et faire du mal aux enfants. Et c'est quand même dommage, après tout ce temps, de dire qu'elle pleure son mariage, qu'elle pleure son mari. Elle a quand même vraiment du mal à reconnaître qu'il a été capable de la tuer. Et d'ailleurs aussi, quand Victoria lui a rendu visite après sa condamnation pendant quelques semaines, eh bien il a exigé qu'elle lui rende visite plus souvent en prison. Et finalement, ce serait ça le déclic qui lui a fait ouvrir les yeux et elle a fini par demander le divorce. Mais Émile a refusé de signer les papiers. Il lui disait qu'ils avaient encore un avenir ensemble, que leur mariage était encore viable, qu'elle était tout ce qu'il avait. Donc finalement, elle est toujours mariée avec lui et elle porte toujours son nom. Victoria est également désespérée à l'idée de continuer à vivre dans la maison conjugale. Je ne sais pas si aujourd'hui, en 2022, elle y vit toujours, mais en 2020, elle y était encore et elle espérait déménager. Mais le problème, c'est qu'elle est toujours mariée avec lui et donc sans l'autorisation des deux époux, eh bien, elle ne pourra pas vendre la maison. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, elle a réussi à divorcer et à vivre ailleurs. En tout cas, on l'espère pour elle. Aujourd'hui donc, elle a l'air d'avoir vraiment ouvert les yeux sur son ex-mari, d'être passée aussi à autre chose. Il semble qu'elle n'ait plus aucun contact avec lui et elle a d'ailleurs recommencé sa vie avec un autre homme. Concernant son nouveau compagnon, il s'appelle Simon Goodman. Il a 51 ans, il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant et il a été un vrai soutien pour Victoria. C'est également un parachutiste passionné et il a une formation militaire. Il a aussi été commando des Royal Marines durant 29 ans et Victoria et lui se connaissent déjà depuis 9 ans. Puis dernier événement pour conclure cette vidéo, en avril 2021, Émile a déclaré être confiant et pouvoir probablement sortir de prison dans 5 ans. Par la même occasion, il a déclaré vouloir trouver l'amour et vouloir trouver une personne en qui il pourrait avoir confiance. Donc je ne sais pas pourquoi il pense pouvoir sortir comme ça dans 5 ans, étant donné qu'il a été condamné à un minimum de 18 ans de prison. Mais bon, je sais juste aussi qu'il envisageait de faire appel de sa condamnation, peut-être c'est ça. Bon. En tout cas, ce sont mes derniers mots sur cette affaire. Heureusement, elle finit bien, donc c'est plutôt rare. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci de me soutenir. J'attends comme d'habitude vos retours, vos commentaires, vos avis sur cette affaire. Et puis moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.